Booba, rappelez-vous, c'est celui qui chante ça. J'encule vous tous, ma pute prépare le couscous. Ou encore celui qui chante ça. Je vais à la chicha pour les beurrer. Je vais à la chicha pour les beurrer. Booba, c'est celui qui chante ça. Je fais rien, je m'en bats les couilles, une colombienne fait ma vaisselle. Et encore ça. Ces derniers jours, en me baladant sur internet, j'ai appris que Booba avait couché avec lui. Qui après ça, a fini par devenir elle. Voilà comment Johnny est devenu Victoria. Victoria qui a couché avec Booba. En soi, pour ma part, qui suis-je pour juger Victoria? Si elle ne se sentait pas bien dans son corps, elle a le droit de se changer en femme, cela ne me regarde pas. Je n'ai rien contre les homosexuels, les transsexuels ou bien les travelots. Cela ne me regarde pas. Qui suis-je pour les juger après tout? Mais de la part de Booba, le rappeur le plus misogyne de France, le rappeur le plus macho, a couché avec un lascar. Soit dit en passant, paraît qu'il n'a pas assuré, hein. Sinon elle n'aurait pas dit ça. Enfin, il n'aurait pas dit ça. Booba a donné un concert au Mirano. On me l'a présenté. On a fini notre soirée ensemble. Il m'a déposé 3000 euros. Voilà. Il a essayé de me recontacter. Et je n'ai pas donné de nouvelles. Parce que c'est pas un bon coup. Tout simplement. Voilà. C'est un type qui couche là n'importe comment. Tout simplement. Il n'a pas de respect de la femme. Booba, t'as vu la voix qu'il a? Tu vas pas nous dire que tu savais pas que c'était un mec? T'as entendu cette voix? De toute façon, je crois que tu fais plus la différence, toi, quand il n'y a pas d'autotune. Bref, Johnny, Victoria, enfin Johnny, Victoria, bon. Ellie, bonne soirée.